Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme en ce lundi. Si nous sommes lundi, c'est le début de semaine. Si, c'est voilà, bah, il faut y aller au boulot. Hein. Si. Moi je parle pour ceux qui travaillent, hein, parce que ceux qui sont en vacances, que dalle. Non. Alors, ah si, alors, donc, si. Oui, si nous sommes lundi 25 juillet, hein. On est très contents parce qu'il fait un temps, mais de chiottes. Si, il fait un temps de chiottes. Pleut. Il mouille, c'est la fête à la grenouille. Le ciel, il est noir. Il fait nuit. Il fait moche. Hein. C'est soit on crève de chaud, soit il fait un temps pourrave. Si. L'avantage, c'est que ça arrose la nature et que ça éteint les feux, la pluie. Voilà, c'est tout ce que ça a comme avantage. Mais c'est un gros avantage. Si. Ah, si, c'est bien. Ah, si, vous dites que c'est bien. Hein? Ah, si. Alors, ah, si, c'est très, très bien. Ah, bah, si, la pluie, c'est très important, c'est vital. Alors, je sais. Aujourd'hui, on est lundi 25, comme je vous le disais, et je n'ai pas d'anniversaire à souhaiter. En tout cas, comme je vous le dis à chaque fois, pas que je connaisse. D'accord? Mais il y en a sûrement. Ah si, il y a des gens qui sont nés un 25 juillet. Hein. Bah si, c'est obligé. Ah bah si. Mais voilà, ils font pas partie de notre communauté. Voilà, c'est ça. J'aime bien notre communauté. Ça fait un peu secte. Si. Ça fait pas un secte, ça fait une secte. Si. Ouais, je sais. Alors donc, aujourd'hui, quand même, nous avons. Alors là, moi, c'est pareil. Il y a des trucs qui m'épatent, qui m'épatent, qui m'épatent. Si, aujourd'hui, c'est la Saint-Jacques le Majeur. Alors, pas les mineurs, hein. C'est pas la fête Jacques le Mineur, c'est la fête Jacques le Majeur. Ah, si, je vous montrerai pas le mien, hein. Si, c'est cela, Jacques le Majeur. Moi, je ne sais pas, je connais pas, hein. Bon, mais de toute façon, il doit être tout seul. Ah si, parce que Jacques le majeur, il n'y en a qu'un. Donc du coup, bonne fête Jacques, si, le majeur. C'est tout, qu'est-ce que je veux dire? C'est, non. Je ne ferai pas ce que j'ai envie de faire, mais je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Parce que le mien, il s'appelle pas Jacques. Non. Il s'appelle majeur tout court. Alors, ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Hein. Ça n'a ni queue ni tête, c'est comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'espoir. Alors, ça me fait tellement plaisir, puisque hier, nous avons parlé du défi 20 000 marque-pages pour comment? Pour Octobre Rose, hein, pour l'Institut Curie. Hein. Alors, donc, envoyez vos marque-pages. Vous en envoyez qu'un, vous en envoyez deux, trois, quatre, vous en envoyez autant que vous voulez. Des simples, des complexes, voilà, amusez-vous, amusez-vous, et ça fera du bien à plein de personnes, à plein de femmes. Et ça, c'est bien, ça. Si, si. Apporter du bonheur aux gens, ça vous rend heureux, si, je vous assure, si. Alors. Donc, avec le message espoir, un message d'espoir, hein, vous pouvez mettre juste espoir, hein, dessus sur votre marque-page. Et alors, donc aujourd'hui, la pensée, c'est l'espoir. Si, l'espoir. Alors, c'est formidable. L'espoir, c'est ce petit oiseau qui se perche sur notre âme, qui chante sans les paroles et qui ne se tait jamais. Voilà. Bon, on comprend rien, mais. Non, on comprend rien. Moi, je comprends rien. Je suis désolée, je ne comprends rien, je ne comprends rien. L'espoir, c'est ce petit oiseau qui se perche sur notre âme, c'est très mignon, hein, qui chante sans les paroles. Ah si, il chante, il fait cui, cui, cui. Bah, il y a des paroles, hein. Cui, 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 c'est des paroles, mais bon. Voilà. Et qui ne se tait jamais. Voilà. Si, Emily Dickinson. Si, c'est Emily Dickinson qui dit ça, on est très content. Si. Vous dites que vous êtes content, ainsi. Alors donc voilà, on est très content, on est très content. Voilà. Alors l'espoir fait vivre et ça c'est vrai aussi. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire à part n'importe quoi comme d'habitude? Oui, alors j'ai remarqué que parce que j'ai un retard parce que là j'emmène mon petit loulou chez le vétérinaire là à 4 h 30, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire. Donc je fais un petit tuto avec vous, quelque chose de simple qui est sûrement connu. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'avais envie de faire ça avec vous, comme ça, histoire de faire une petite carte. Parce que ben, c'est toujours pareil, je voudrais faire des centaines de choses, mais c'est le temps qui me manque. Mais alors, j'ai donc pas eu le temps de répondre à vos messages. Les mails, j'en ai répondu à quelques-uns, mais alors vraiment rapide. Les mails, les messages YouTube, j'ai même pas eu le temps de les lire encore. Ben non, pas du tout et tout ça. Donc bon, voilà, voyez ce que je veux dire. Mais par contre, j'ai vu passer un message. Je crois que c'est un mail. Je crois que c'est un mail. Et j'ai pas encore répondu. Je l'ai lu, mais j'ai pas répondu parce que je me suis dit, si elle me suit,
Elle me suit vraiment très intensément, cette personne, puisque elle a remarqué que j'avais cet appareil-là. Elle a fait une capture d'écran et elle a vu que j'avais cet appareil-là. Et elle m'a dit, c'est quoi? À quoi ça sert? Alors, c'est quoi? À quoi ça sert? J'ai fait des tutos pour chaque utilisation de cette machine. Ça sert à faire des enveloppes, des boîtes et des nœuds. D'accord? Et j'ai fait des tutos. Alors je sais que j'ai beaucoup de tutos, j'ai beaucoup de vidéos, je sais, et qu'il faut chercher. Mais j'ai fait ça. Ça fait des enveloppes, des boîtes et des nœuds. Et j'ai fait un tuto pour chaque chose. D'accord? Voilà, c'est une punch board, hein, 1, 2, 3 punch board. Si we are memory creepers, c'est une machine, voilà. Parce qu'elle me dit, je te vois jamais t'en servir. Non, je m'en sers jamais. Pourquoi? Parce que les enveloppes, je les fais pas en tuto. Enfin, je les fais pour vous montrer comment on se sert la machine. Mais les enveloppes, souvent, quand je réponds aux gens, j'ai pas le temps de faire des enveloppes. Hein. J'ai pas le temps de faire des enveloppes moi-même. Hein. Voilà, voilà, voilà. J'en achète. C'est tellement vite fait chez Action, hein, d'acheter les lots, cartes, machin, que voilà. Hein. Donc voilà pourquoi je n'en fais pas. Les nœuds, j'en fais pas parce que. C'est pareil, ça prend un temps. Voilà, j'ai pas le temps. Et alors les boîtes, ça je m'en sers, mais pas maintenant. Hein. Je m'en sers au moment des fêtes, au moment de pour voilà, je me sers au moment des fêtes de Noël et tout ça. Là, vous me verrez m'en servir pour faire des boîtes. C'est possible, c'est possible. Mais c'est toujours pareil. Maintenant, il y a tellement de méthodes pour faire des boîtes à la vitesse du son, à la vitesse du son, hein, que cette machine-là, voilà. Comment vous dire? Je vous fais une boîte, j'en ai fait des tutos aussi de ça. Des boîtes, pouf, 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 en 5 minutes c'est fait. Hein. Mais 5 minutes, mais même pas 5 minutes. En 30 secondes elle est faite la boîte. Non, j'exagère là par contre. Ça passe de 5 minutes à 30 secondes. On prend la moitié. En 2 minutes elle est faite votre boîte, même pas, si je vous assure. Donc voilà, la machine, c'est pour ça que je m'en sers vraiment, vraiment très, très rarement. Hein. C'est parce que maintenant il y a des. Il y a des méthodes où il n'y a pas besoin de cette machine-là pour faire les choses. Non, bah non, non. Alors, je fais pas de pub à Weir, hein, je sais. Mais bon, puisque je l'ai acheté. Vous pouvez l'acheter, c'est pas le problème. Achetez tout ce que vous voulez. Si vous avez. Bon, voilà, moi, je m'achetais ça pour me faire plaisir à Noël, à mon anniversaire, machin, tout ça. Moi, ça fait, hein, ça fait longtemps. Puis, je suis vieille, donc j'ai un peu de matériel pour des trucs. Mais maintenant, avec le temps, je m'aperçois que ces choses-là, j'aurais pu m'en passer, quoi. Bah, si. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai fait démonstration, j'ai fait. Ouh, là, voilà. Hein, d'accord, ok. Alors, ça, c'est fait. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va faire une petite carte comme ça, histoire de dire. Hein, histoire de dire qu'on est ensemble. Bah, si. Bah, si. Parce que j'ai beaucoup de. C'est pareil, j'ai beaucoup de courriers à ouvrir. Beaucoup. Beaucoup. Et j'ai pas eu le temps ce week-end parce que j'ai fait quand même un tuto, machin. Je travaille beaucoup. Si. Et puis comme mes animaux ils sont un peu malades et tout ça, je m'occupe un peu plus d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, avant d'aller chez le vétérinaire, nous allons donc faire une petite carte. Hein? Si, on va faire ça. Et puis en revenant du vétérinaire, j'ouvrirai du courrier. D'accord? Ben, si, on fera ça. Mais vous inquiétez pas puisque vous savez que j'ouvre normalement très très rapidement votre courrier. Voilà. Et je sais que j'en ai quand même pas mal. Dont un colis, peut-être une scrapeuse, enfin une Elle doit avoir une chaîne, mais bon, on en parlera au moment où j'ouvrirai son colis. D'accord? Voilà. Allez, donc c'est parti. Si c'est parti, parce que ça fait combien de temps que je parle? Bah, c'est comme d'habitude, 8 minutes. Hein, bah, si. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, j'ai préparé des ronds, des machins. Alors, j'ai préparé des ronds, ça ne sert à rien. Non, vous inquiétez pas, c'est juste parce que moi, j'ai fait des ronds, mais vous pouvez faire avec la forme que vous voulez. Si, vous pouvez faire avec la forme que vous voulez. Moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais savoir si dans l'enveloppe, combien ça pesait quand on faisait cette carte-là. Vous voyez? Si on peut mettre un timbre, ou s'il faut déjà deux timbres pour envoyer cette carte. Alors, je sais bien, ça peut paraître un peu radin, cette histoire-là, mais c'est parce que parfois, on a quand même, voilà, hein, tout le monde a un budget et tout le monde, voilà, on n'a pas tous les moyens de mettre deux timbres dans une enveloppe, sur une enveloppe. Parce que quand on met deux timbres, autant envoyer 100 grammes, je vous l'ai dit, je vous le répète à chaque fois, c'est pareil, je répète beaucoup, beaucoup les choses, c'est parce que tout le monde ne voit pas mes tutos, d'accord? Et puis que vous n'entendez pas tout ce que je dis, bah, heureusement d'ailleurs. C'est ça. Donc, pour se faire, là je vais prendre des ronds, donc hein, je vais prendre des ronds, mais vous pouvez prendre des cœurs, des carrés, des étoiles. D'ailleurs, je pourrais changer, je pourrais très bien changer.
Non, je vais faire avec des ronds parce que c'est basique, parce que ça peut être fait. Parce qu'avec les... Pourquoi des ronds? Parce que des ronds ou des carrés, hein? C'est parce que tout le monde peut le faire. C'est pas nécessaire d'avoir un die, des die pour faire cette carte, hein? C'est pas. Si vous n'avez pas de die, ce n'est pas grave. Tout le monde peut le faire. Et c'est souvent pour ça que je prends des formes assez basiques. C'est parce que comme ça, tout le monde peut le faire. Vous avez compris? Si vous avez compris, hein? Alors ensuite, je vais la monter en 3D cette carte, mais c'est pareil. Vous pouvez la monter sans 3D. Vous superposez les formes et puis ça y est, votre carte elle est faite. N'a pas obligé d'avoir des pastilles. Bah, là, c'est des pastilles toutes prêtes parce que je suis feignante. Mais vous prenez du machin stick, machin 3D de chez Action et vous découpez des petits carrés. Et puis ça y est, hein, ça fonctionne aussi. C'est parce que moi, je suis très feignante, très feignante, très feignante. Bah si. Alors pour ce faire, nous allons. Je vais. Alors moi, je vais partir. Alors, je vais partir sur un effet arc-en-ciel. Si, c'est pour envoyer à des enfants, tout ça, bah si. Alors, je vais faire un effet arc-en-ciel, mais vous pouvez le faire avec un seul papier, une seule couleur, deux couleurs, trois couleurs. Vous pouvez faire que trois superpositions. Là, moi, je vais en faire cinq. Cinq, attendez, j'ai combien de dailles? Un, deux, trois, quatre, cinq. Moi, j'aurais pu faire six même, j'aurais pu faire tout ce que je veux. Il faut que ça, vous ayez, vous savez, il m'en manque un, j'en ai perdu un, apparemment, j'en ai perdu un die. Ouais, je sais pas où il est, cette taille-là, ça m'embête. Ça m'embête parce que pour le rendu, c'est pas terrible. Mais bon, tant pis, je vais faire avec. Mais il faut, voilà, il faut des dies qui sont de plus en plus grands ou de plus en plus petits, c'est pareil. Croissant, décroissant, moi, je préfère décroissant parce que je suis gourmande. Et si vous voulez un croissant, vous faites un croissant, c'est pas grave, voilà, oh là là, c'est pareil. Donc, la forme que vous voulez... Et du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand. Ok, vous avez compris. Si, et si vous voulez vous arrêter à 3, vous arrêtez à 3. D'accord? Si, c'est facile de faire ça, je vous assure, c'est n'importe quoi. Mais c'est pour faire une carte et perdre du temps encore, comme d'habitude. Si. Alors, donc, j'ai dit, moi, je vais faire un arc-en-ciel. C'est mon droit, quand même. Pour ce faire. Pour faire un arc-en-ciel, il faut, alors là, on ne va pas rentrer dans les débats, vous savez, des 6 ou 7 couleurs. Hein. Vous faites l'arc-en-ciel de vos rêves. C'est ça. Non, moi je vais prendre donc je vais prendre cette couleur. Alors la première couleur, je vais faire comme de par hasard du violet. Et je vais partir sur une base 10-15. Alors est-ce que j'ai ça par contre? Est-ce que j'ai une feuille qui fait 20 Ah bah si, ça commence le beans. Ça commence le beans. C'est rien, je sais pas. Je pense pas que j'ai un morceau qui fait 20 sur 15. Il me faudrait un morceau de 20 sur 15, mais j'ai peut-être plus. J'utilise ce papier parce que ce papier. Je peux plus le voir, je l'aime pas trop. Hein. Non, je l'aime pas trop. Bah, c'est mon droit de pas aimer trop mon papier. Ouais, il est pas terrible. Alors, 20 sur 15, est-ce que j'ai ça? C'est pas sûr. 20. Ah, si! Oh là, je suis médisante. Je prends un morceau de 20 sur 15. Je suis très, très heureuse, mais vraiment très, très heureuse. 20 sur 15, voilà. Et donc, comme je pars sur un arc-en-ciel, mais alors c'est pareil, je pars du violet et je pourrais partir du rouge. Ok? Vous avez compris? Si, vous avez compris. Enfin, vous comprendrez quand ce sera fait, peut-être. Alors, je vais partir du mauve. Voilà. Ensuite, je plie mon 20 sur 15 en deux. Pareil, je prends une base de 10-15. Mais vous pouvez prendre la base de vos rêves. Faire plus grand, bah, plus petit si ça vous amuse. Vous faites ce que vous voulez. Alors, donc, je prends ma base 10-15. Et ensuite, je vais prendre les 6 autres couleurs. C'est-à-dire, il va me falloir du bleu. Ok? Alors, je vais faire à chaque fois des bases 10-15 dans chaque couleur. Je vous ai dit, vous pouvez faire un camaïeu, vous. Vous pouvez faire un camaïeu de bleu, de rose, de... Vous savez ce que c'est un camaïeu? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la même couleur dégradée, hein? De plus en plus clair ou de plus en plus foncé. C'est ça un camaïeu. C'est une couleur déclinée en dégradé. Ok? D'accord. Ben, tout le monde ne sait pas ce que c'est un camaïeu, je suis désolée. Alors, du bleu, ensuite, du vert. Voilà, pour que je me plante, ouais, parce que je suis un peu nulle. Alors, du jaune, du orange et du rouge. Est-ce que j'ai une chute de rouge? Non, mais c'est pour utiliser mes chutes que je fais cette carte. Si, si, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Si, alors, c'est ça. Est-ce que j'ai du rouge? Ça se trouve, j'ai même plus de rouge. Ouais, ça y est, je vais toucher le fond comme d'habitude. Oui, je l'adore. Il y a du rouge? Non, il n'y a pas de rouge, il y a du rose. Alors, du rose, en veux-tu, en voilà. Hein. Du rose, en veux-tu? En voilà, poil au bras. Alors, du rouge, je vais pas en avoir. Mais je vais prendre un rouge en autre chose. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, mince.
Ouais, on n'a qu'à faire un arc-en-ciel d'une autre couleur. Ça. Non, bah non, il me faut du rouge, il me faut du rouge, il me faut du rouge. Hein, parce que sinon, ça ressemble à rien. Bah non, ça ressemble à rien. Alors, donc, eh bien, je vais aller chercher une feuille de rouge. Pas un verre de rouge, mais une feuille de rouge. Alors, est-ce que j'ai du rouge par là? Je dois bien avoir une chute, c'est sûr et certain. Oh, oui, je l'adore. C'est ça. Alors, n'importe quoi. Je dois même avoir des feuilles. Alors, vous prenez. Ah, c'est quoi ça? C'est du rouge un peu. Ouais, mais non, c'est du cardstock. Je veux pas. Je prends du papier fin. C'est pour que ça fasse pas trop lourd et trop épais. Vous comprenez? Si, vous comprenez. Alors, du rouge. Même que ça se trouve. Voilà. Ah, je suis désolée, je vais perdre du temps. Ah, bah si, ah, bah voilà. Ah, bah c'est malin. Alors, pour se faire. Est-ce que j'ai du rouge là-dedans? Ça, c'est du papier feutré. Ça va pour. J'ai rien, ça m'énerve. Pas. Ah si, c'en est. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Non, c'est pas du papier. Non, c'est du papier pailleté, ça. Ouais, bah, je vais prendre ça, c'est pour au gras. Je prends ce que j'ai. Bah, ça... C'est le beans. Ça, c'est un papier pailleté. Eh ben, ce sera très bien. Et puis c'est tout. On disait que c'était bien. Non, mais ouais, j'ai rien. C'est ça. Vous avez compris, j'ai rien. C'est la misère. Alors. Et le dernier, ce sera du rouge. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai dit, je vais tailler. Alors, est-ce que je fais un matage sur la première couleur? Non. Enfin, je sais rien. Non, non, non. Je vais faire des bases, donc, de 10-15. Plein de bases 10-15. C'est-à-dire de chaque... vous avez compris ici. 10, 15, hop, de mon bleu. 10-15. Le bleu. Voilà. Hop là! Ensuite, bah, de toute façon, je les taille toutes, hein, parce que ça n'a pas d'importance. Du vert, 10, 15, 10, hop, 15. Bon, c'est des couleurs Walligen, ouais, hein, là. Hein. C'est parce que, pff, pourquoi j'ai acheté ça? Allez savoir pourquoi. C'est rien. Mon Dieu. Alors, l'avantage, c'est que c'est un papier, comme je vous le disais, qui est assez fin. Alors, du coup, c'est pas lourd. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas trop lourd. J'ai pesé, je vous l'ai dit, non, j'ai pesé la carte avec tous les papiers. Je dépassais pas les 20 grammes. Non, je ne dépassais pas les 20 grammes. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est pas mal. Hein, un petit timbre, et puis c'est mignon comme petite carte pour souhaiter ce qu'on veut. Hein. Bien sûr, hein, c'est pour toute occasion. Hein, vous envoyez. Petite carte pour toute occasion. Voilà, je suis très. Alors, je pourrais réduire. Hein. Je vais vous expliquer. Je pourrais très bien réduire le papier, hein. Bien sûr. Hein. Ah non, le rouge. Oh là là, j'ai failli oublier le rouge. En plus que c'est du rouge pailleté. Ouais, bof. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour que ça me fasse des masses parce que je sais même pas ce que c'est quand même. Je me demande si c'est pas un papier autocollant. Je peux pas prendre ça si c'est un papier autocollant. Non, c'est pas un papier autocollant. J'étais en train de tout déniaper. Si. Alors, 10. Je sais pas ce que ça vaut. 10, 15. Allez. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai mes 7 couleurs. Je suis très, très heureuse d'avoir mes 7 couleurs. Au 6, ou je sais pas combien. Enfin, bref, on s'en fout. On s'en fout. Alors ça c'est bien. Si vous dites c'est bien. Hop. Ça c'est bon, mais ça là. Surtout que j'ai sûrement ce qu'il faut, mais bon voilà quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les. Alors moi je vais les mettre au milieu. C'est juste pour que ce soit beaucoup beaucoup plus simple. D'accord? Alors je laisse ma base, la mauve. Je la laisse comme ça. Je vais prendre toutes mes couleurs. Et je vais marquer le milieu de toutes mes cartes. Voilà, bon, c'est une méthode, c'est la mienne. Je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, je vais faire comme ça. Je prends le rouge, je prends la moitié. Je vais prendre la moitié. Ben, la moitié de 10, ben, c'est 5. OK? 5. OK? On fait de la géométrie. Oui, je sais, c'est lundi. Normalement, c'est mardi la géométrie, mais là, c'est la géométrie un lundi, puis c'est tout. Alors, vous faites derrière. Derrière, OK? Tous derrière la nuit, devant. Et voilà, je fais ma ligne. Vous voyez, là, j'ai fait une ligne à 5 cm, hein, dans la hauteur. Hein. D'accord, ok. Mais vous pourriez le faire dans l'autre sens aussi. Vous faites ce que vous voulez.
Et puis je prends la moitié de la ligne là, la moitié de la ligne, puisque c'est 15, c'est 7,5, on est d'accord? Et là, 7,5, vous faites une marque. Voilà, vous faites ça. Voilà. Et vous faites ça sur toute votre couleur, toutes vos couleurs, d'accord? Si vous faites ça. Hop, alors, 5. Vous voyez, tout le monde peut faire ça. Hein. Tout le monde. Après, je vous dis, pour faire la carte, là, bah, il suffit d'avoir, si vous faites avec des carrés, hein, puis vous faites avec un cutter, vous faites vos formes. Enfin, tout est possible, hein. Après, c'est juste une question de patience et puis de... Enfin, c'est ça, quoi. Ça, c'est... Voilà. Alors, hop, hein, donc, on a compris, vous faites ça sur toutes vos couleurs. Ça n'a rien de sorcier, je vous assure. Hop, hop. Et avec un camaïeu, c'est super joli aussi. Hein. Là, je fais arc-en-ciel, c'est juste pour que vous, enfin, pour que vous voyez. N'importe quoi. Pour m'amuser, quoi, en fait. Si. Ça m'amuse beaucoup, je rigole. Si, c'est très très drôle. Ben, si, ah, si. Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole. Ben, si, vous rigolez, puis c'est tout, hein, ça me fait plaisir. Hein. Oh là là, vous pouvez rire quand même. Si. Alors, ben, c'est des thérapies, ça, hein. Vous savez qu'il y a des gens, ils se réunissent pour se forcer à rire. Si. Alors, quand on se force à rire, arrive un moment, on ne peut plus s'arrêter de rire. Si. Alors, moi, j'ai peur, parce que, non, mais attendez, on ne va quand même pas rire toute notre vie. Hein. Si, vous faites. Moi, ça m'énerve de me forcer à quelque chose. Si, moi, ça m'énerve. J'ai horreur de me forcer à quelque chose. Si. Alors, me forcer à rire, je peux pas. Non, je peux pas, ça m'énerve. C'est bizarre, hein? Ouais, je sais. Ouais, je sais, je suis bizarre. Mais si vous voulez que je le fasse, c'est pas ma faute quand même. Donc voilà. Me forcer à rire, je vois pas. Non, je vois pas. Non, je peux pas, je peux pas. Bon, il faut un truc qui me fasse rire, vous voyez ce que je veux dire? Bah si, bah si. Alors. Je sais pas, quelqu'un qui se casse la binette, bon, qui se fait pas mal, attention. Hein. Ça me fait rire, par exemple. C'est. Alors, hop, voilà, je suis contente. Hein, j'ai mes marques. Si, j'ai mes marques. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais prendre médaille, du plus grand au plus petit, mais c'est pareil, vous pouvez ne pas faire l'inverse. Hein. Vous faites ce que je fais, parce que sinon, dans l'autre sens, je n'ai pas envie de savoir pour l'instant. D'accord? Je prends mon plus petit rond. Et je prends ma marque sur le bleu. Et je pose mon rond. Alors, je vous préviens, je ne mesure pas. Hein. Que dalle. Hein. Si vous voulez mesurer le machin, le diamètre, et si, machin, vous faites. Vous faites ce que vous voulez, amusez-vous. Hein. Moi, non. Hein. Moi, je pose au pif à peu près pour que mon point là, sur ma carte, il soit à peu près au centre de mon cercle. À peu près au centre de là, à peu près au centre de là. À peu près. OK, d'accord. Vous faites ça, puis c'est tout. Et si vous voulez faire des calculs apothicaires, des calculs de mathématiciens, voilà, hein, Einstein, ce n'est pas moi. Moi, je fais comme ça, et puis ça va très très bien. C'est ça. Mais rien ne vous empêche, évidemment. Hein. Alors là, je ne voudrais pas vous empêcher de vous épanouir. Hein. C'est hors de question. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. J'ai fait un rond, je suis très très heureuse. Hein. Ah si, je suis très très heureuse. J'ai fait le petit rond, j'en ai plus besoin. Et non, je garde le petit rond là. Pourquoi? Parce que nous pourrons faire une autre carte. Si. Ben, de toute façon, on va le faire. Voilà, on est content, on a un trou. Si vous avez un trou dans votre feuille, vous êtes très content. Et là, vous le posez sur le mauve. Si, vous le posez sur le mauve. Hein. Ensuite, vous prenez le plus grand. Et vous prenez l'autre couleur, c'est-à-dire le vert. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous posez le rond qui est un tout petit peu plus grand sur votre là, en mettant à peu près au centre. Hein. Vous vous débrouillez, vous, à peu près. Hein. Voilà. C'est pas grave si ce n'est pas au millimètre. Hein. Oh là là. Ouh là là. Je vous ai déjà dit 1000 fois, on ne gagne pas notre vie avec ça. Oh là là. Et puis même, ça sera encore plus joli s'il y a un décalage. Si vous vous êtes trompé d'un millimètre, s'il y a un décalage, ça sera encore plus joli. Si. Elle sera unique. Alors. Là, on est content. Si, vous êtes content. Ici, tout. Voilà. Vous faites ça. Hein, et là, vous êtes content. Vous avez un trou vert dans le vert. Et là, vous mettez le vert sur le bleu. Regardez. Oh, c'est joli. Mais si, c'est joli. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va faire le jaune. On fait pas. Oui, jaune. On fait pareil. Hein, regardez, vous faites pareil. Vous posez votre rond. Et voilà. Et vous mettez. Et vous faites votre trou. Si vous faites un trou, c'est tout. Allez, hop, on fait ça. Hop là, oh là là, qu'est-ce qu'on est content. Ouh là là là. Ça, c'est une jolie petite carte pour
pour les enfants. S'ils aiment bien faire des arcs-en-ciel, c'est la mode les arcs-en-ciel. Alors on fait des arcs-en-ciel, puis c'est tout. Regardez, oh c'est joli. Ben, si c'est joli. Et puis on fait avec orange, pareil. Vous avez compris? Alors là, je vais passer d'un. Ça m'embête. Hein. Je sais pas où il est passé mon cerf. Vous l'avez pas vu vous, dans mon bazar? C'est ça. Je suis sûre que je vais retrouver une fois que j'en aurai plus besoin. Ben si, c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai foutu de ce cercle? Je ne sais pas. J'ai dû faire une création un jour avec et pas le ranger à sa place. Voilà. Voilà. C'est tout, quoi. Ah si. C'est ça qui s'est passé, hein. Puis voilà, quoi. Enfin. Donc voilà, hein, vous avez un gros rond. Vous êtes content. Voilà. Vous avez un trou béant. Voilà. Alors, vous voyez, hein, moi, je passe de. Vous avez vu, là, c'est pas terrible. Ah non, je suis très déçue. Parce que, vous voyez, il me manque un. Hein, vous voyez, ça. Bon, vous avez compris, quoi. Si. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, je vais faire avec. Hein. Donc, du coup, je suis passée au grand, alors que là, j'aurais voulu m'arrêter à cette taille-là. Vous avez compris? Si. Mais tant pis. Je fais avec ce que j'ai. Il faut faire avec ce qu'on a dans la vie. Si. Puis, quand on n'a rien, ben, on fait avec rien. Puis, c'est tout. Puis, un jour, on a quelque chose. Puis, c'est tout. Voilà, je fais ça. Pouf, pouf. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'importe quoi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non mais je vous jure c'est pas facile tous les jours. Hein. Alors donc vous faites ça et là vous avez un gros trou dans une feuille rouge. Enfin, si ça fonctionne bien sûr et ça ne fonctionne pas parce que c'est de la drouille. Bah oui c'est de la drouille. De toute façon ce papier-là n'achetez pas ça non plus. N'achetez rien. N'achetez rien. C'est de la drouille. Voilà. Bon. C'est nul. Bon enfin tant pis on va faire avec. Hein. De toute façon je l'enverrai à quelqu'un. Regardez. Si, c'est magnifique, vous dites c'est magnifique, hein. Ouh là là. Hein, moi, je sais pas, je vais mettre comme ça. Voilà. Et voilà, c'est tout. On fait que ça. Bah, si, on fait que ça, puis c'est tout. Bah si, ça fait un style, moi j'aime bien. Je trouve ça très joli. C'est très, très, ça fait très, très quelque chose. Très, je sais pas quoi, mais ça fait. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, si vous voulez faire moins lourd ou je sais pas quoi, hein, vous coupez juste, vous faites tous les. Par contre, il faut attention. Vous basez sur le grand, là, hein. Et à chaque fois, celle d'en dessous, vous coupez ce qui est là. Mais bon, après, vous faites. Hein, vous avez compris. Si. Alors, donc, maintenant, je vais les coller. Alors, je vais les coller en 3D, moi. Je vais les coller en 3D. Mais vous pouvez coller tout à fait à plat. OK? Mais moi, je vais faire en 3D parce que j'ai envie de faire ça en 3D. Puis c'est tout. Alors, là, par contre, je me galère parce que je vais juste mettre 4 là. Hein? Hop, et 4 et 1 à chaque extrémité. Parce que ça, j'ai horreur de faire ça. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je scrape. Hein. J'ai horreur. Il y a des trucs. Oh là là. Ah, si, alors vous faites ça. Hein. Ah, si, vous faites ça. Voilà. Hein. Par exemple, ça suffit. Hein. Vous pouvez en rajouter encore, mais si on peut. On met un là et puis un là. Hein. D'accord? Vous faites ça bien. Hein. Soit très très joli, hein, bien sûr. Hop là! Non, c'est parce que qui m'a envoyé ces jolis. On m'a envoyé des stickers, là, des machins, là, des ça, là, des pastilles. On m'a envoyé ça, puis on m'a envoyé des bandes aussi. Il faut s'en servir. Hop. Alors, ça, retirer tous ces papiers, là. Vous voyez ce que je veux dire? Si. Ah non, mon Dieu. Alors, donc, vous faites ça. Et puis, vous dites que vous êtes content. Si. Vous en avez partout. Après, ça fait des confettis. Sinon, on peut faire un shaker. D'ailleurs, demain, c'est ce qu'on fait. Voici, si, je vais vous montrer un truc demain. Demain, bah si, ce sera demain. On va faire quelque chose. Vous allez voir, c'est très rigolo. Si vous dites c'est rigolo. Alors, hop. J'ai horreur de faire ça. Hop là. Voilà, hop là. Vous voyez, comme ça fait un effet. Hop. Vous voyez, bon, vous avez compris quoi. Ensuite, donc, on met le verre, de plus en plus grand. Hein. Voici, vous faites ça. Hein. Moi, je vais faire ça. Un. Deux. 3, 4. Alors là, ça va être là pour mettre dans une enveloppe. Là, je pense que je vais dépasser les 20 grammes. Pourquoi? C'est sûr et certain. Parce que, comment dirais-je, je mets du 3D. Voilà. Ouais, après, bon, voilà. Quand on aime, on compte pas, il paraît. Alors, hein, vous mettez deux timbres, puis c'est tout. Hein. C'est ça. Hein? Oh, c'est des cartes un petit peu. Hein? Je sais pas si ça vous plaira, mais bon. Mais avec des cœurs et tout ça, c'est joli. Hein. Avec des jolies formes, des étoiles aussi, pour Noël. Hein. C'est magnifique. Hein. Pour mettre sur une couverture d'album. Vous voyez, par exemple, vous faites un album ou sur votre délit
votre descendeur d'Élie ou sur votre comment machin là l'avant calendrier de l'avant ou alors voyez ce que je veux dire votre album de Noël et tout ça vous faites un effet comme ça sur votre couverture et c'est super joli avec une étoile ou moi enfin moi je trouve c'est mignon hein, bon après les goûts les couleurs hein, c'est toujours pareil mais je trouve que sur une couverture d'album ou quoi que ce soit c'est magnifique hein, vous avez compris. Alors du vert, ensuite on va faire du jaune. Vous voyez, c'est difficile à poser ça, attention. Hein. Du jaune. Voilà, comme ça j'utilise mes pastilles, je suis très contente. Si. Hop. Vous faites ça. Combien de minutes pour faire ça? Non, c'est parce que comme d'habitude j'ai beaucoup parlé. Merci. C'est parce que je réponds en même temps, j'en profite pour répondre à certains d'entre vous. Ou alors, hein, vous voyez, c'est pour ça. Hein. Je sais, je vous saoule. J'ai un peu mal à la tête. Non, j'ai mal à la tête, c'est parce qu'il faut que j'aille chez, faut que j'aille chez le vétérinaire. Alors, donc, pour ce faire, vous avez vu, j'ai réduit, hein, j'en ai mis moins. Ça. Bientôt, je vais en foutre un seul, mais ça ira bien. Oh, je plaisante, ah là là. C'était quoi la chanson? Il me fait de l'effet, mais je l'aime. Puis vous voyez, on peut appuyer dessus, vous voyez, vous pouvez mettre ça, ça se. Ah oui, ça, bah si, c'est bien, vous dites c'est bien, ça me fait plaisir, oh là là, c'est ça. Voilà, j'ai deux amours là. Non, attends, c'était comment ça? J'ai deux amours, la Canterbourg, la Cronenbourg, la Canterbourg pour faire dodo, la Cronenbourg pour faire l'amour. J'ai deux ennemis, l'eau de Badoit, l'eau de Vichy, l'eau de Badoit pour faire pipi, l'eau de Vichy pour faire caca. Non, c'était pas ça, c'est. On recommence. Bah si on recommence, puis c'est tout. Hein. J'ai deux amours, la Canterbro, la Cronenbourg, la Canterbro pour faire dodo, la Cronenbourg pour faire l'amour. J'ai deux ennemis, l'eau de Badoit, l'eau de Vichy, l'eau de Badoit pour faire caca, l'eau de Vichy pour faire pipi. N'importe quoi. Hein. Bah si, bon, bah, c'est pas ma faute. Hein. Je connais, je vais vous apprendre des trucs vraiment d'une intelligence. Vous allez devenir HP, HP, HP. Si, n'importe quoi. Hein. Bah quoi, c'est pas de notre faute quand même. Alors, j'ai la lila, tira, 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 twa, twa, nila, 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 nila. J'ai deux amours. Ouais, oh, ça va. Alors, donc, du orange. Oh là là, comme c'est joli. Oh là là, c'est très joli. Bon, c'est un peu. C'est pénible à faire. Bon, non, on chante. Vous avez qu'à chanter en attendant. Regardez. Ah, si, c'est très beau. C'est très, très beau. Regardez-moi ça, si, c'est magnifique. Si. Hop, hop, hop. Et enfin, le rouge pailleté que je n'aime pas, mais on mettra ça quand même. Puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ainsi, vous faites avec ce que vous avez, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est ça. Ben oui, quand on n'a rien, c'est pas de notre faute. Hein. Maintenant, j'ai rien, moi. Je comprends rien. Plus on m'en envoie, moins j'ai. C'est ça. C'est ça. Un canne bière, ni tout ni nan, elle exagère, et partout elle est populaire, notre canne bière, ni nan, ni nan, et partout elle est populaire, notre canne bière. Ouais, oh, vous n'aimez pas ma chanson? Bah attendez, franchement, vous, si vous connaissez pas ma canne bière, bah si, c'est marseillais. C'est ça. Voilà, hein, bah si. Vous faites ça, vous posez ça et vous êtes très content. Si vous êtes très très content.
maintenant c'est comment c'est. Elle est des nôtres, elle a bu son verre comme les autres, c'est une ivrogne, ça se voit rien qu'à sa trogne. Je sais pas, il y a un truc à fêter? Ben non, il n'y a pas d'anniversaire, c'est nul. Ah non, j'ai pas d'anniversaire, demain il y en a un. Si demain il y en a un, mais je vais pas l'oublier, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, c'est hors de question d'oublier. Demain, donc c'est mardi. Alors demain, nous faisons ces géométries. C'est géométrie. Non, demain, on va faire une petite carte toute mignonne, toute mignonne. Si, c'est pareil, on va utiliser des dailles. Bon, si on va utiliser des dailles. Die, die, die. Die, 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 die. Die, 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 die. Alors, est-ce que c'est bien ce que je fais là? Je ne sais pas. J'essaye, mais. Oh, c'est vachement beau, hein. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, alors, le rouge, là, c'est un papier Wall Again Too For Me. Bon, je fais avec, mais bon, voilà quoi. Hein. Vous avez compris, c'est pas. Je suis pas super emballée de ce papier-là. Hein. Ah, bah, ça, pour être fin, il est fin, hein, ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà quoi. Voilà. Hop là! Oh là là, que c'est joli. Bah, si vous dites c'est joli, ça me fait très plaisir. Regardez, c'est beau, hein. Si, c'est très beau. Et hop, hop. Et donc là, hop, vous voyez, ça fait un tapis. Si, un tapis, tapis. Vous êtes content, vous avez fait ça, on est super content. Oh, si, vous êtes content. Et là, je vais y poser un papillon. On disait qu'il y avait un papillon qui sortait de l'arc-en-ciel. Hein, parce que j'ai pas de licorne, j'ai rien, c'est pas ma faute. Je vais mettre un papillon en 3D, là, qui sort de la carte, et puis c'est tout. Hein. Je vais mettre là, moi. Hein. Je vais me mettre là. Bon, c'est pas le papillon que je préfère, mais bon, tant pis, c'est pareil. Hein. Je prends ce que j'ai. C'est ça. Notre canne de bière. Partout, elle est populaire. Notre canne de bière. Notre canne. Alors, ben alors. Voilà le papillon, la tronche qui fait. Oh là, oh là, oh là. Il est très très mal posé ce papillon. J'ai très très mal fait mon. Très très mal. Oh là là. Oh le pauvre. Oh le pauvre. De toute façon, j'ai plein de soucis avec la malle. Ah bah ça y est. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Le papillon, voilà. Il est comme d'habitude, quoi. Bah si. Alors toi, je vais te retirer. Hein. Bah si, excuse-moi, je t'utiliserai pour autre chose. Hein. Ah non, il va pas bien. Il va pas bien, que je vous dise. Oh, je vais prendre le bleu finalement, puisque c'est ça. Si. Je fais ce que je veux, de toute façon. Ou alors, je peux même en mettre toutes les couleurs. Hein. Ça aussi, hein, j'ai le droit. Non, il était bien celui-là. Non, qu'ils ont pensé. J'aimais bien. Moi, celui-là était discret. Hein, discret, discret. Bon, ce papier-là, il me. Hein, vous avez compris. Si. Alors, on va faire avec. Hein. Alors, je vais mettre celui-là. Je sais pas. Sais pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Non, je suis pas super emballée. Hein. Je vais me mettre là. Allez, hop, je fais ça. Hein, parce qu'il faut. Enfin, on va quand même pas y passer la vie pour mettre un papillon. Ils sont où mes trucs là, ils sont là. Alors, je vais remettre un carré 3D. Et je vais mettre ce papillon. Allez, viens là, toi. On disait qu'il sortait de l'arc-en-ciel. C'est magnifique. Si, c'est très beau. Regardez, c'est très beau. Ben, si, vous dites c'est beau, ça me fait plaisir. Oh là là. Alors, ensuite, on fait quoi? On met un sentiment là-dessus. Oh, et c'est joli. Si, c'est joli, c'est original. Hein? On pourrait faire un cadre. Hein? Vous pouvez mettre de la dentelle tout autour. Vous pouvez, ou alors même écraser et coudre. Hein? Faire une couture ou j'en sais rien, vous faites tout ce que vous voulez. C'est joli, c'est très joli. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait. Qu'est-ce que je voulais faire là? Mettre un petit sentiment. C'est très beau, hein? Ah, c'est très très beau. Alors, un sentiment. Pour ce faire. Eh ben tiens, je crois que j'avais. Il me restait des sentiments. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je ne sais pas. Des sentiments espoir que j'avais imprimés hier. Si, j'avais des sentiments espoir. Oh là mon Dieu, vous êtes là? Ah, restez là. Oh là. Si, ça va? Vous allez bien? Non, si, j'ai eu peur, j'ai très très peur. Il y a tout qui tombe. Mais c'est normal parce que j'étais derrière en train de récupérer mes. Alors attendez, je vais essayer de pas tout faire tomber, hein. Ça va? Vous vous sentez pas bien? Alors, ça, vous allez vomir. Alors, ouais, je sais, je dis n'importe quoi. Bon, alors, je ne sais pas. J'avais des sentiments. Bon, je n'ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus. Bon, on va en ouvrir un. Allez, hop. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. C'est ça. Hop là. Allez, pour se faire un peu. Ben si, avec les papillons, les arcs-en-ciel, ça va bien, espoir, mais si, ça va bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Et je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre en. Je vais le mettre en. C'est rien. Et moi, j'ai envie de mettre des couleurs là. Parce que je trouve que c'est. Hein, il manque de trucs, il manque de trucs, il manque de trucs. Alors, hop. Oui, je l'adore. Je sais pas quoi faire en fait. Je mets du jaune. Non, je mets, je sais pas, j'ai pas de sucre là, j'ai rien. Bon, tant pis. C'est ça.
Catastrophe. Non, je vais le mettre en jaune, ça va claquer comme ça. Allez, un bout de jaune là. Si je fais ça, hop. Ouais, bah là, je suis vachement inspirée pour la déco, hein, vous avez vu? Bah si. Alors, hop. Et hop, je vais faire une flèche comme ça. Hop. Enfin, une flèche, vous avez compris quoi. Un truc comme ça là. Histoire de dire, hein, c'était tout mignon. Mais si, c'est tout mignon. Et puis là, hop. Oui, je l'adore. Hop, je fais ça. Hop, et puis je vais faire comme ça et comme ça. Elle court, la maladie d'amour qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle danse, la rivière insolente. La nina je fais des bêtises. Je fais rien que des bêtises. Nina. Ouais, c'est parce qu'en fait, je voulais faire un truc un peu, je sais pas quoi, quoi. Ouais, en fait, je sais pas trop ce que je fais. Hein. Vous avez remarqué. Si, vous avez remarqué que je suis un peu n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Oh là là, c'est sublime. C'est ça. N'importe quoi. Hop, on fait ça, puis on est très content. Hein. Oh là là. J'invente des, vous avez vu, j'invente des musiques aussi. C'est ça. Alors hop. Bon. Quelle heure il est là? Si je sais pas l'heure qu'il est. Ma fille, vachement contrariée. Alors, je vais le mettre en travers. Vous croyez que j'ai le droit? Non, je vais faire ça. Non, je vais pas le mettre en travers. Je vais le mettre là. Voilà, vous faites ça par exemple. On peut mettre des strass jaune, vert. Bah si, c'était tout mignon. Oh, vous dites c'est mignon, ça me fait plaisir. Je sais pas combien ça pèse. On pèse. Je vais peser la carte là, parce que vous savez c'est une carte double et tout là. Hein. Alors on peut s'amuser avec les ronds là. Vous savez on a des ronds là. Alors oh c'est joli rouge sur bleu. Alors là vous voyez, vous pouvez faire une autre carte. Hein. Vous faites le contraire. Vous faites le contraire, c'est-à-dire vous mettez comme ceci, comme cela. Comme cela, regardez, c'est très très joli. Vous faites ça, regardez comme c'est beau. Ah si c'est beau, vous dites c'est beau, ça me fait plaisir. Et vous mettez ça sur une autre carte. Et puis on est très content. Hein. Ah si, vous dites que vous êtes content. Et puis voilà, hein, c'est tout. Ah non, mais n'importe quoi. J'oublie la carte pour la peser. Si, si c'est très joli. Alors, hop. Voilà, petite carte, ça fait. Elle fait 16 grammes. Elle fait 16 grammes là. Avec tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? 16 grammes. Hein? Voilà. C'était tout mignon. Si, c'est tout mignon. Mais regardez ici, si, c'est sympa. Alors, moi, j'ai fait un effet arc-en-ciel comme ça. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau. Bon, bah, d'accord. Mais un petit camaïeu, un petit machin, je sais pas. Et puis, vous pouvez aussi faire des. On pourrait faire une étoile. On pourrait faire avec une étoile et puis faire pendre des jolies étoiles. Là. Ah, bah, je ferais ça. Ouais, je vais recevoir un truc là. Ah, je ferais ça. C'est peut-être une bonne idée. Ouais, un dégradé d'étoiles et puis là des étoiles qui pendent. Là, j'aurais pu faire une envolée de papillons. Hein. On peut amusez-vous. Enfin, faites marcher votre créativité, hein, avec la forme que vous voulez. Vous vous amusez comme ça, c'est sympa. Mais si, c'est sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis avec les chutes. Alors attention, avec les chutes, vous faites une autre carte. Vous avez compris? Regardez comme c'est beau. Vous posez ça. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Puis là, vous mettez un œil, hein, par exemple. Vous posez ça comme ça. Ensuite. Ouais, je pourrais le faire là. J'ai pas une base là qui traîne par terre parce que j'ai tout fait tomber. Hein. Je vous dis même pas, tout est tombé. Oh là là. Oh non, ça m'énerve. Ah, c'est ça. Oh là 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 là. Mon Dieu. Alors restons zen. Admettons, admettons. Tiens. Admettons, j'ai une base là. Admettons. Tiens, voilà. Comme par hasard. Admettons, j'ai une base là. Pouf. Je pose ma carte, ma chute dessus là. Ben, si, je peux faire ça. De toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut, on a dit. Alors admettons. Moi, je les pose comme ça parce que je suis pas originale, mais vous l'êtes. Mais regardez, vous faites ça, par exemple. Et puis, voilà, vous les posez, nana. Est-ce que vous utilisez vos chutes, hein, immédiatement, tout de suite? Parce qu'après, sinon, on n'utilise pas. Hein, vous avez compris, si. Et puis, vous mettez un œil. Hein, puis vous, au milieu, là, vous mettez un œil. C'est l'œil du cyclope. Hein, l'œil du cyclone.
L'œil de la tornade. Je ne sais pas, moi, l'œil de ce que vous voulez, hein. Admettons, vous mettez un œil là. Un œil bleu. Regardez. Si? Ah, si, ça fait très beau. Vous dites ça fait très beau, et puis vous avez deux cartes. Deux cartes très très originales. On est très content. Voilà. Hop, hop. Si, regardez. Par exemple. Si. Hein? Bon. Je sais que ce tuto vous a vraiment beaucoup plu, j'en suis sûre. Il vous donnera des idées, fera marcher votre créativité. Faites des magnifiques cartes, hein, je compte sur vous. Je compte sur vous, je sais que vous allez faire des choses magnifiques. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve tout à l'heure pour l'ouverture des courriers. D'accord? Hein? Si, on va faire coucou, recoucou, courloucoucou. Non, je ne sais pas jusqu'où j'irai. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Allez, hop, regardez, elles sont sublimes ces cartes. Monsieur, elles sont sublimes. Est-ce que je peux zoomer sans qu'on se quitte sur. Bon, on peut pas se quitter là. Ah si, regardez. Non mais regardez, c'est quand même très très beau. Ah, si. Allez, hein, à bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous surtout.